Non, c'est rien, ça me fait mal quand je fais un mouvement. Ça va passer. Comment va Benjamin? Nadia l'a accompagné à son cours de piano. Il m'a dit de t'embrasser. Bonjour, monsieur Rainville. Madame Rainville. Alors, comment vous vous sentez ce matin? Ça me tire au niveau de la poitrine. Ça arrive quelquefois après l'opération. Ça va disparaître petit à petit. Vous ferez marcher, madame Rainville. Vous lui donnerez aussi des calmants. Oui. C'est rien. Vos muscles doivent se réhabituer. Vous me faites confiance. Et je pourrais sortir quand? Lundi matin, le temps que vous repreniez des forces. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous appelez. Allez, bonne journée. T'inquiète pas, il te surveille. Tout ce que t'as à faire pendant 2 jours, c'est de te reposer. On va faire un peu d'exercice? J'y vais. À tout à l'heure. Prenez bien soin d'elle. On va s'arrêter là, d'accord? Qu'est-ce que j'ai? Je vais vous donner des calmants. Tu me dis stop? Stop. Mais d'habitude, t'adores ça, la purée. Si, j'ai pas très faim. Salut, ça va? Je suis venue embrasser mon neveu. Salut, toi. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que c'est? La date du concours de piano de Benjamin le 17. Comment va Sophie? Ça va. Elle est fatiguée, mais d'après le docteur, c'est normal. Vous a pas prévenu? De quoi? Nous avons essayé de vous joindre, monsieur Rainville. Votre femme a été victime d'un malaise. On l'a transportée en réanimation à l'hôpital. En réanimation? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il semble que ses facultés respiratoires aient été gravement altérées, mais nous en ignorons encore les raisons. Mais enfin, vous m'avez dit que c'était une opération très simple. Oui. Malheureusement, il arrive quelquefois qu'il y ait des complications. Nous ne pouvions pas prévoir ce qui est arrivé. Bon, il est où cet hôpital? Monsieur Rainville, je suis le docteur Gatien. J'aimerais vous parler. Je veux plus la laisser. Si j'avais été là, ce serait pas arrivé. Nous venons d'avoir les résultats des examens. Votre femme a été victime d'une embolie pulmonaire majeure. Est-ce qu'elle va se réveiller? Je ne peux pas vous répondre. Son pouls est très faible. Sans ce respirateur, elle ne pourrait pas vivre. Vous croyez qu'elle entend? Non, elle est inconsciente. Il est de mon devoir de vous dire, monsieur Rainville, au cas où elle se réveillerait, il se peut que le cerveau ait été endommagé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Elle s'est plainte de douleur à la poitrine et le docteur Serre a dit que c'était normal. C'était ça? Oui, c'est encore Olivier Rainville, le docteur Serre est là, s'il vous plaît. Mais non, mais vous m'avez déjà dit ça il y a 1 heure. Bon. Écoutez, c'est important, depuis qu'il faut qu'il me rappelle.
Nadia, c'est moi. Bon, on n'en sait rien. Bon, ça fait 4 fois que j'essaie de joindre la clinique. Ouais. Tu me passes Benjamin ? Allô ? Ça va, bonhomme ? Ouais. Je vais rester avec maman cette nuit. Tu dors chez Nadia, d'accord ? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, maman ? Maman ? Maman, elle dort ? Mais tu peux la réveiller, je voudrais lui parler. Ah non, on peut pas la réveiller. Pas maintenant. Très fort, très sage, hein. Docteur Serre. Bonjour, monsieur Raville. J'ai eu vos messages. Je m'excuse, j'ai été très occupé. Je me tiens informé tous les jours de l'état de votre femme. Malheureusement, je dois entrer en salle d'opération. Voulez-vous qu'on prenne rendez-vous ? Ça fait une semaine que j'essaye de vous joindre au téléphone et quand j'arrive enfin à vous parler, tout ce que vous trouvez à me dire, c'est que vous êtes trop occupé, qu'il faut prendre rendez-vous ? Attendez là, je comprends pas. Écoutez, monsieur Raville, Docteur, ma femme est entrée dans votre clinique pour se faire opérer d'une hernie. Aujourd'hui, elle est dans une chambre de réanimation branchée à un appareil qui l'aide à respirer. J'ai un gosse de 8 ans, moi, qui me demande tous les jours quand sa mère va se réveiller. Je comprends votre douleur. Non. Non, vous ne comprenez pas. Je veux savoir ce qui est arrivé à ma femme. Je veux qu'on me donne des explications, maintenant. Aujourd'hui, c'est vraiment impossible. Enfin, vous n'êtes même pas venu la voir. Mais c'est quoi pour vous ? Une erreur ? Une statistique ? Moi, c'est ma femme, docteur. Ces douleurs à la poitrine, pourquoi vous n'en avez pas tenu compte ? Écoutez, monsieur Rainville, téléphonez-moi demain. Nous fixerons un rendez-vous. Appelez-moi. La semaine prochaine, je serai plus disponible. La semaine prochaine. Monsieur Rainville, Virginie Martin, avocat à la cour. C'est moi qui vous ai appelé ce matin. Entrez. Qui vous a parlé de moi ? Maître Pelletier, vous êtes bien allé le voir ? Il m'a raconté votre histoire. Ça m'intéresse. Mais peut-être avez-vous déjà trouvé quelqu'un ? Non, ce qui m'arrive n'a pas l'air d'intéresser beaucoup vos confrères. Ils préfèrent régler des divorces, ça rapporte plus. Pas vous ? Moi ? J'adore les défis. Ça vous va comme réponse ? Excusez-moi de vous dire ça, mais je crois que je cherche quelqu'un de plus spécialisé. Il n'existe aucun spécialiste de ce genre d'affaires dans la région. À moins que ce ne soit une façon de me dire que vous ne voulez pas d'une femme pour vous défendre. J'aime beaucoup votre appartement. C'est ma femme qui l'a décoré. Au fait, pourquoi voulez-vous les poursuivre, monsieur Rainville ? Je ne veux pas porter plainte, je veux seulement savoir ce qui est arrivé à ma femme, c'est tout. Depuis le début, ils cherchent à m'éviter, j'ai l'impression que je leur fais peur. C'est tout ? Juste une impression ? C'est plutôt léger. Ça ne vous intéresse plus ? Si. Je me fie beaucoup aux intuitions, ça doit être mon côté féminin. Bien. Je vous laisse mes coordonnées au cas où vous changeriez d'avis sur moi. Si vraiment vous leur faites peur, la clinique vous contactera très vite. Un conseil, ne vous contentez pas de leurs explications. Demandez-leur le dossier médical de votre femme. Ils sont obligés de vous le donner, mais... on ne sait jamais. Ça peut vous aider à répondre à vos questions. J'espère. Ils peuvent aussi vous proposer un arrangement à l'amiable. 50 000 francs, c'est souvent ce qu'ils proposent. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je sais. Au revoir, monsieur Rainville. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je vous en prie, asseyez-vous, Cécile. J'ai besoin que cette lettre parte ce matin. Merci. Et qu'on ne nous dérange pas. Avant de commencer, monsieur Rainville, je tiens à vous dire que nous sommes désolés de ce qui est arrivé à votre femme. Dès que j'ai su la nouvelle, j'ai demandé au docteur Serre de m'apporter son dossier médical. Je l'ai examiné en détail. Je vous jure que s'il y avait eu la moindre faute médicale,
J'aurais pris immédiatement les décisions qui s'imposent. Mais aucune erreur n'a été commise. Mais ma femme s'est plainte de douleur, professeur. Et à aucun moment, le docteur Serre n'a diagnostiqué d'embolie pulmonaire. Oui. Lorsque vous souffrez de migraine, monsieur Rainville, soupçonnez-vous une méningite? Et jusqu'à présent, vous avez toujours eu raison. C'est une fatalité. Et comme toute fatalité, il n'y a pas de responsable. Il faut l'admettre. Bien entendu, nous prendrons à notre charge les frais d'hospitalisation de votre femme. C'est la moindre des choses. Bien sûr. Je suis content qu'on puisse s'entendre. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. J'aimerais quand même récupérer le dossier médical de ma femme, si ça vous embête pas. Pas le moins du monde. Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Je demanderai à ma secrétaire de vous l'envoyer. Bien entendu, si vous avez besoin d'éclaircissement, nous sommes à votre disposition. Merci. T'en es où, Ludo Séchantraine? J'ai une réunion de conciliation à 15h. T'as gardé l'affaire, Rainville? Oui, laisse tomber, y a rien dedans. J'ai quand même une erreur de diagnostic, non? C'est pas l'erreur qu'il faut prouver, c'est la faute. Il y a une sacrée différence, crois-moi. Monsieur Rainville, suivez-moi. On en parle au déjeuner? Je sais pas, oui. Vous voulez un café? Non, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. On est en plein travaux en attendant ma mise ici. Bien, vous vouliez me boire? Oui, vous aviez raison la dernière fois. J'ai vu le professeur Duterte ce matin. Qu'est-ce qu'il vous a proposé? De prendre à sa charge les frais d'hospitalisation. Il m'a dit qu'il était content qu'on puisse s'entendre. Comme si j'étais là pour affaire. Et il m'envoie le dossier médical. Vous risquez d'attendre longtemps. Les médecins n'aiment pas beaucoup justifier. Bien sûr, en tant qu'avocate, je peux faire accélérer les choses, si vous le voulez. Quels sont vos honoraires? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis menuisier. Et votre femme travaille? Oui, elle est assistante maternelle. Si je comprends bien, vous n'avez plus qu'un seul salaire. Je me paierai sur les indemnités. 15%, ça vous va? Bien, je vais étudier le dossier, je vous appelle. Mais je dois d'abord vous prévenir, ce genre de procédure n'aboutit jamais sans un dossier béton. Et de plus, les étapes sont nombreuses. Conseil de l'ordre, tribunaux civils, mais aussi le pénal. Ça risque d'être un vrai chemin de croix. Et ce que je vis depuis une semaine, vous appelez ça comment? Vous devriez voir le docteur Gatien. Il pourra vous expliquer, c'est lui qui s'occupe de Sophie. D'accord, aussitôt que j'aurai récupéré le dossier médical de votre femme. Au fait, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur moi? Vous êtes la seule à ne pas m'avoir dit que vous compreniez ma douleur. Es-tu arrivé là? Pour simplifier, Madame Rainville souffrait d'une anomalie sanguine. Chez certaines personnes, le sang a tendance à coaguler trop rapidement, ce qui entraîne des thromboses. Et c'est ce qui a provoqué l'embolie pulmonaire? Oui. La clinique pouvait-elle ignorer ses antécédents? Ils sont consignés dans le bulletin d'hospitalisation. Dans ce genre de cas, quelles sont les précautions à prendre pour éviter toute complication? On administre un anticoagulant, l'héparine par exemple. L'ont-ils fait? Oui, d'après le compte-rendu opératoire. Oui, mais après l'opération, est-ce qu'on doit continuer le traitement sous héparine? Oui. Je ne vois pas mentionner d'héparine. C'est qu'ils n'ont pas continué le traitement. Est-ce que s'ils avaient continué, Madame Rainville aurait fait cette embolie? C'est difficile à dire. Peut-être pas. Peut-être pas ou sûrement pas, docteur. Madame Rainville est-elle dans le coma parce que les médecins n'ont pas jugé nécessaire de poursuivre le traitement? Ont-ils commis une faute? Bon, je n'irai pas jusque-là. À la limite, une erreur d'appréciation, rien de plus. Faute de diagnostic, faute dans le choix thérapeutique, faute de surveillance post-opératoire. On a l'embarras du choix, ça peut se plaider. Vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse tout de suite. Mais leurs explications ne suffisent plus, monsieur Rainville. Votre femme a été victime de la médecine.
J'ai reçu ça ce matin. De tout cœur avec vous, signé Docteur Serre. Par quoi on commence ? On dépose une plainte auprès du Conseil de l'Ordre des médecins, pour commencer. Après, on pourra aller en justice plus facilement s'ils nous donnent raison. D'accord, je vous fais confiance. Mais je vous préviens, je supporterai pas qu'on leur donne raison. Plus maintenant. Vous avez donc décidé de porter plainte contre la clinique Servin, c'est bien ça? Oui, nous pensons que les médecins de la clinique ont commis une suite de négligences qui ont été fatales à Madame Rainville. La clinique est une des plus performantes de la région. Quant au professeur Dutertre qui la dirige, c'est un des précurseurs dans le domaine de la greffe de moelle osseuse. Nous savons tout cela. C'est la responsabilité de son praticien, le docteur Serre, que nous remettons en cause. En vous attaquant, docteur Serre, c'est indirectement la réputation de la clinique que vous attaquez. C'est ce qui retiendra l'opinion publique. Quelle sera la suite donnée à cette plainte, docteur? L'Ordre des médecins est une instance disciplinaire interne qui a pour but de protéger la déontologie de la profession. Nous allons nommer un rapporteur qui se chargera de faire toute la lumière sur cette affaire. J'espère que la réputation de la clinique ne faussera pas son jugement. Nos experts sont impartiaux, maître, je vous le garantis. Je pense que nous devrions proposer à M. Rainville un arrangement à l'amiable. Pourquoi ça? Nous n'avons commis aucune faute. Il veut aller devant le Conseil de l'Ordre des médecins qu'il y a et j'ai la conscience tranquille. J'ai fondé cette clinique il y a 15 ans, avec mon propre argent. Aujourd'hui, je peux me vanter d'avoir aidé et sauvé la vie de milliers de personnes. Je ne permettrai pas qu'on remette en cause l'honneur de cette clinique, ni celui de mes médecins. Justement, c'est l'image de votre clinique qui est en jeu. Vous savez ce qu'on dit, professeur, une bonne négociation vaut mieux qu'un mauvais procès. Je connais l'avocate de la partie adverse. C'est une ambitieuse. Elle risque d'entraîner son client jusqu'au pénal. Et si nous restons sur nos positions, il la suivra. Bien ça? T'as l'air en forme. Tu voulais me boire? Je sorte chez Dutertre. Il était furieux. C'est marrant ce don que tu as d'énerver les gens. Question d'entraînement. T'es sûrement une très bonne avocate, Virginie. T'es un peu trop impulsive. Tu fonces tête baissée, sans stratégie. Un ponte comme Dutertre, ça se manie pas comme un médecin de campagne. Ça se respecte. Orgueilleux. Si tu continues comme ça, tu risques d'en faire les frais. Et pas seulement toi, ton client aussi. Je te fais confiance, je suis sûre que t'as rattrapé mon erreur. On n'ira pas plus loin. Il n'y a rien dans le dossier et tu le sais très bien. 50 000 francs pour un dossier vide, c'est généreux. Écoute Virginie, même si Serre avait commis une erreur, ce qui n'est pas le cas, tu crois vraiment que l'Ordre des médecins oserait le condamner? S'attaquer à Serre, c'est s'attaquer à Dutertre. Alors on ira au pénal. Le juge prononcera un non-lieu. Et nous, on portera plainte pour diffamation. Non, ton client a déjà beaucoup souffert, tu sais. Tu devrais lui demander son avis, cette fois-ci. C'est ce que je vais faire, mais je suis pas sûre qu'il estime la vie de sa femme à 50 000 francs. Merci pour le verre. Qu'est-ce que tu cherches, Virginie? Une revanche? Non, simplement la vérité. Il nous propose un arrangement. 50 000 francs et on oublie notre plainte. Alors tu vois, là, ce sera ta chambre, Benjamin. On pourra mettre ton piano là. Et ton lit ici? Non, moi je veux mon lit là et mon piano là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sa chambre, s'il a envie de... Non, non, je parle de l'arrangement. Moi je pense que ça cache quelque chose. Et maman, elle sera où? Maman? Maman, elle sera là-bas, dans l'autre pièce. Viens, je vais te faire voir. On aurait tort d'accepter. Qui vous parle d'accepter? Nous avons tous pris connaissance du rapport rédigé par le docteur de Noël ici présent. Néanmoins, nous sommes là pour clarifier certains points de détail, docteur. Je n'ai rien à cacher. Très bien. Docteur Serre, lorsque vous avez opéré Madame Rainville, vous connaissiez son passé médical? Bien sûr. J'avais lu son dossier. Vous saviez donc que depuis sa césarienne, il fallait qu'elle soit opérée sous héparine? Oui. Le protocole a été respecté. Mais vous n'avez pas continué le traitement après l'opération? J'ai estimé que cela ne se justifiait pas. Et lorsqu'elle s'est plainte de douleur, vous n'avez pas pensé qu'il pouvait s'agir d'un début d'embolie? Très franchement, non. Les symptômes post-opératoires sont fréquents.
et l'embolie a été trop subite pour que je puisse rectifier mon erreur. Vous pensez donc que c'était une erreur? Ce n'est pas à vous que je vais apprendre la difficulté d'établir un diagnostic. Ils sont basés sur des symptômes. Des symptômes qui peuvent prendre des formes différentes selon les patients. L'erreur fait partie de notre métier. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir de la peine pour Madame Rainville. Mademoiselle Alonso, vous étiez chargée du suivi post-opératoire de Sophie Rainville. Oui. Quand Madame Rainville a eu sa crise, qu'avez-vous fait? Je lui ai donné des calmants et je l'ai fait marcher, selon les instructions du docteur Serre. Les douleurs ont-elles cessé? Oui, jusqu'au lendemain matin. Je l'ai retrouvée inconsciente, elle était tombée de son lit. Quelle heure était-il? 11h. Et qu'avez-vous fait à ce moment-là? J'ai été prévenir le docteur Serre, elle ne respirait plus. Il a aussitôt pratiqué une réanimation cardio-respiratoire. Le cœur est reparti, puis il a décidé de la transférer d'urgence à l'hôpital. Leur service de réanimation est mieux équipé. Chez nous, elle n'aurait pas survécu. Bon signe. J'espère. Juste le jour où Benjamin a son concours. Son concours? Oui, de piano. J'ai promis d'être là, c'est dans une demi-heure. Après examen de toutes les pièces du dossier, après avoir auditionné différents intervenants, nous avons conclu que l'arrêt cardio-respiratoire anoxique de votre femme était accidentel. Nous ne pouvons l'imputer aux seuls soins prodigués par le docteur Serre. C'est pourquoi aucune sanction professionnelle ne nous paraît justifiable. Voilà. C'est ça la justice que vous m'aviez promise? Non. Ça n'a rien à voir avec la justice. C'est du corporatisme. Benjamin? Excuse-moi. Hein? Tu m'excuses? Tu sais, j'ai fait aucune fausse note. C'est bien. Je suis fier de toi. Pour maman. Docteur Gatien!
clé. Qu'il soit raide ou qu'il soit roux, tous les types de cheveux contiennent naturellement 10% d'eau. Une eau essentielle à leur beauté. Pour enrichir cette hydratation naturelle, voici le nouveau shampoing Dove avec un quart de lait hydratant. Un shampoing qui hydrate vos cheveux en profondeur et les rend plus beaux, plus vivants, plus doux et les garde légers. Pour une hydratation imbattable, nouveau shampoing Dove. Voici le nouveau Dash Active Blanc. Je vous propose de laver le suite de tous ces petits enfants à 40 degrés. Et on se revoit dans une semaine pour le résultat. Tous ces suites sont sortis blancs comme neige. Le suite blanc sort blanc. Et le reste du linge de la machine est tout à fait propre. Vraiment, je ne lâche plus. Nouveau Dash. Si blanc, on ne peut plus propre. Même à 40 degrés. Cool! Dash offre en exclusivité une nouvelle série de 4 albums de Bob et Bobette. Passez vite au supermarché pour compléter votre collection. Soccer Belgium présente 4 nations, l'Italie, la France, l'Allemagne et la Belgique. Un shot toutes les 30 secondes, 11 buts par match, toujours un vainqueur. Venez découvrir les artistes du foot sur sable lors du tournoi international de Beat Soccer. Les 23, 24 et 25 août sur la plage Williams Park à Knock. En collaboration avec Club RTL et Bel RTL. Plus d'infos sur le site internet beach-soccer.be. Pendant vos règles, il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Certaines sont plus abondantes, d'autres plus légères. Voilà pourquoi, en plus de ces serviettes très absorbantes, Always vous offre aujourd'hui la toute nouvelle Always Light. Une serviette plus douce, plus mince, qui vous assure la protection idéale pour ces journées plus légères. Alors, quelle que soit la protection dont vous avez besoin, c'est tout réfléchi. Always parle le langage de votre corps. Rexona Formel, peu importe ce qui vous fait transpirer. Prix de Correctit Roller, réécriture immédiate. Monsieur Propre et les maisons à vivre. Après avoir nettoyé, vous êtes tellement lessivé que vous n'avez plus d'énergie pour rien. Alors, pour garder votre énergie à toute autre chose, il y a mon nouveau Monsieur Propre liquide. Beaucoup plus musclé, pour beaucoup moins d'efforts. Faut voir. Pure, ma nouvelle formule n'a jamais aussi bien nettoyé. Et hop, tout part. Vite fait, bien fait. Pleine forme. Monsieur Propre, né pour vous faciliter le nettoyage. Il y a des rouges très tendres, mais terribles à enlever. Nouveau Sun Optimal 3 en 1. Sel, lavage, rinçage, 3 fonctions renforcées pour une performance Sun 3 en 1 jamais atteinte. C'est beau, c'est Sun. Un verre ? Non, je reste pas. Tu connais Nathalie ? Elle travaille pour moi. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu voulais ? Je voulais savoir si l'offre tenait toujours. T'es incroyable, toi. Y a rien dans ton dossier ? L'ordre des médecins te donne tort et tu voudrais qu'on négocie ? Pourquoi on ferait ça ? T'as perdu. Parce que sinon je vais en justice. Au pénal. Décidément, tu retiens jamais les leçons qu'on te donne. T'agis toujours sous le coup de la colère. C'est pour ton client que tu te bats ? Ou pour toi ? Tu le veux, l'arrangement à l'amiable ou pas ? Non. T'as laissé passer ta chance, Virginie. Aucun juge n'ira à ce procès avec un dossier vide. Ridiculise-toi si tu veux. Nous, on arrête les frais. À bientôt, alors. Virginie Martin, bonjour, je suis l'avocate de Monsieur Rainville. Je sais qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais vous parler. Je prends mon service dans 5 minutes, je suis pressée. Excusez-moi. Attendez !
Allez, travaille bien. C'est moi qui viendrai te chercher ce soir. Benjamin, tu sais, quelquefois la vie, elle nous reprend des choses qu'elle nous a données, on ne sait pas pourquoi. Mais ce que je veux pas, c'est qu'elle me reprenne ton sourire. Tu souris plus. Je vais être en retard. T'as une commande à terminer? Excuse-moi, Charles. Je peux pas. Je peux plus. Je trouve quelqu'un d'autre. Tu cherches quoi? Un moyen de les attaquer en justice. Arrête tes conneries, Virginie. Qu'est-ce que tu penses de l'article 223.1 du Code pénal? Il date de mars 94, je te lis. Puni de 100 000 francs d'amende et un an d'emprisonnement, celui qui aura directement exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure par la violation d'une obligation de sécurité imposée par le règlement. Il y a une jurisprudence? Personne n'a jamais gagné avec. C'est qu'il y a une raison, non? Ce genre d'article, c'est de la poudre aux yeux. Ça ne correspond à aucune réalité. Pourtant, je ne l'ai pas inventé, c'est dans le nouveau code pénal. Je voudrais que tu me répondes franchement. Dans cette affaire, c'est ton client que tu défends ou Jacquet que tu attaques? Tu sais que c'est dégueulasse ce que tu viens de dire? Ça dépend de ta réponse. Je dois aller chercher mon fils à l'école. Je suis persuadée que l'infirmière a menti sur l'horaire. Votre femme n'a sûrement pas eu sa crise à 11h comme elle l'a prétendu. Elle est arrivée en service de réanimation à 11h30. Or, même en cas d'embolie massive, elle n'aurait pu être dans cet état en l'espace d'une demi-heure. C'est ce que le docteur Gatien m'a confirmé. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Comment ça, qu'est-ce que ça change? Oui, c'est pas ça qui les empêchera de s'en sortir une nouvelle fois. Bah si, on a des preuves. Et vous êtes naïve. Ces types-là passent leur journée à sauver des vies et moi je veux les en empêcher parce qu'ils ont bousillé la mienne. Non mais attendez. Qui je suis pour me plaindre? Et on peut les traîner au pénal, on a beaucoup plus de chances d'aller au procès. Mais c'est quoi une chance de plus? Une sur 1000, une sur 10 000? Non, attendez. Pour moi c'est fini maintenant. Regardez. La facture de l'hospitalisation de Sophie. 8600 francs. Et vous savez pourquoi ils me l'envoient? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent tout se permettre, ils sont intouchables. Vous avez prévenu. Je ne supporterai pas qu'ils s'en sortent. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, professeur? Quelle histoire? Vous avez envoyé la facture d'hospitalisation à M. Rainville? Je ne suis pas au courant. Habituellement, c'est la comptabilité qui s'en charge. Mais je vous croyais docteur, pas comptable. Excusez-moi de vous le dire, mais je ne trouve pas ça très élégant comme procédé. Ah oui? Parce que vous pensez que ce que fait M. Rainville est très élégant, peut-être? Non. Mais ce n'est pas une raison pour entrer dans son jeu. Vous solderez le compte de M. Rainville pour la comptabilité. Vous devriez maîtriser vos nerfs, docteur. Ça pourrait vous jouer des tours. J'aimerais pas que mes patients aient à s'en plaindre. Mmh.
Au fait, t'es toujours avec le grand blond? Grégoire? Ça fait 2 mois qu'on est séparés. C'est pas vrai. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Bah, tu m'as pas posé la question. Ah, excuse-moi. Je m'intéresse à rien en ce moment. C'est pas grave. Benjamin, viens par ici, va pas au bord. Laisse-le vivre un peu, tu vas pas tout le temps être derrière lui. Je suis responsable de lui maintenant. Tu sais, je voudrais te dire quelque chose. Quand on était au lycée, j'avais toujours l'impression que... tu réussissais toujours tout, j'étais un peu jalouse de toi. Pour papa et maman, t'étais un exemple. Hein. Ils t'admiraient vraiment, tu sais. Ils disaient que tu baissais jamais les bras, que rien ne pouvait te faire renoncer. Moi, ça m'énervait, je pourrais être tout. Non, non, regarde, vraiment. Pourquoi tu me dis ça? C'est pas parce que Sophie est pas là que tu dois changer. A partenu votre plainte, maître. Pourquoi un juge dévirait de ses conclusions? Les éléments nouveaux nous font penser que la clinique a pu dissimuler certaines erreurs commises. Rien de très probant d'après le dossier. Ce ne sont que des hypothèses. Hypothèses, monsieur le procureur, que seule une instruction pourra ou non vérifier. Bon, puisque vous constituez partie civile, je vais transmettre le dossier au parquet qui nommera un juge. Quant à monsieur Rainville, il devra verser une consignation de 15 000 francs. Merci, monsieur le procureur. Vous en prie. Sophie? Pas d'amélioration. J'ai besoin de retravailler. Écoute, Olivier, c'est peut-être pas une bonne idée en ce moment. Je deviens dingue chez moi. J'ai besoin de reprendre une vie normale. Et puis j'ai besoin d'argent. En avance? Oui, je dors mal en ce moment. Le juge chargé de l'instruction s'appelle Philippe Clavry. Je ne le connais pas, il vient d'arriver dans la région. Il considère que la clinique est responsable de l'état de votre femme
Il engagera les poursuites. Et sinon? Sinon, il prononcera un non-lieu et fermera le dossier. Vous savez, j'ai pensé à quelque chose. On devrait aller parler à l'infirmière, avec Benjamin. Avec Benjamin, pourquoi faire? Elle a un enfant, ça pourrait l'attendrir. Non, non, ne mêlez pas Benjamin, tout ça c'est déjà assez dur comme ça pour lui. Le docteur Serre m'a appelé hier. Il m'a expliqué entre autres pourquoi vous vous donnez autant de mal sur cette affaire. Parce que moi, bêtement, je croyais que c'était par compassion. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que vous avez travaillé pour Jacquet avant. Qu'il vous a renvoyé parce que vous avez refusé un arrangement à l'amiable et que vous avez entraîné votre client dans un procès que vous avez perdu. C'est vrai? Si vous voulez, on peut encore tout arrêter. Et pourquoi vous avez voulu cette affaire? Vous saviez qu'il y aurait Maître Jacquet en face? Oui. Vous trouvez ça mesquin? Je veux que la clinique soit condamnée. Vous voulez que Maître Jacquet perde l'affaire? Chacun ses raisons. Maintenant, tout dépend du juge. Ah, voilà. Excusez-moi. J'ai donc ici une plainte déposée par M. Rainville contre le docteur Serre, l'accusant de faute technique médicale. Avez-vous changé d'avis, Monsieur Rainville? Non, Monsieur le juge. Très bien. Je vais donc nommer un expert afin qu'à la lumière de son rapport, je puisse me prononcer sur les suites à donner à cette affaire. Les frais d'expertise seront à votre charge, Monsieur Rainville. Ça va s'élever à combien? 5000 francs, peut-être plus. Vous pouvez encore renoncer. Monsieur le procureur, comment allez-vous? Bien, et vous? J'ai quelques petits soucis. Vous êtes au courant puisque c'est vous qui avez transmis la plainte au parquet. La plainte était recevable. Vous ne pouvez pas faire autrement. Oui, je sais. Je plaisantais. La justice doit être la même pour tout le monde. Assurez-vous, le juge Clavry est un homme intelligent. Il suivra les conseils de l'expert. À ce propos, j'en connais un très bien. Le professeur Blondeau, un homme remarquable, impartial. Un ami à vous? Ou une connaissance, simplement. Quoi faire? Henri Blondeau. Vous vous rappellerez. Au fait, comment va Jeannine? Son dos va mieux? Bien. Elle n'a jamais été aussi en forme. Tant mieux. Pourquoi il arrive que chez nous, certaines opérations réussissent. Professeur Blondeau, très honoré de faire votre connaissance. Asseyez-vous, je vous en prie. Votre nom m'a été recommandé par le procureur de la République. Vous avez sans doute déjà pratiqué ce genre d'expertise. Plus d'une trentaine de fois. Oh, moi c'est la première. Bien. Je vous remets donc un exemplaire du dossier et j'attends vos conclusions. Bon. Quand pensez-vous pouvoir me les remettre? Dans une dizaine de jours, pas plus. Bien, bien, très bien. Nous sommes jeudi, disons mardi en 8. Vous verrez avec ma secrétaire l'heure qui vous arrange. Monsieur le juge. Au fait, avez-vous un lien quelconque avec le professeur Duterte ou le docteur Serre? Il m'est arrivé de rencontrer le professeur Duterte dans certains séminaires, c'est tout. Et vous l'estimez? C'est un grand professionnel. Très bien. Alors oubliez qui il est et tâchez d'être impartial. À mardi. Rolline, le docteur Gassien est-il arrivé? Non, monsieur le juge, pas encore. Faites-le entrer dans mon bureau quand il sera là. Ah, appelez aussi le professeur Duterte. J'aimerais le voir à sa clinique. Merci. Oui, professeur. Je voulais connaître votre version des faits. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Je pense qu'elle n'a aucune raison d'être. Pourquoi cela? Parce que nous sommes médecins. Et alors? Alors, vous n'imaginez pas ce que c'est que d'avoir la responsabilité de vie et de mort sur quelqu'un.
Pour un homme, c'est une très lourde responsabilité. Je ne connais pas un médecin qui, après un tel drame, ne se sente pas tout seul au monde. Monsieur Rainville a voulu des explications, nous avons tardé à lui en fournir. Elle est là, notre erreur. Elle est là. C'est que nous ne sommes pas de grands communicateurs, voyez-vous. N'ayez pas pensé que nous sommes insensibles. C'est simplement un moyen de nous protéger. Parce que derrière, il y a tous les autres patients à soigner. Oui, je comprends. Et vous, vous en pensez quoi? Je dois vous avouer que j'ai eu du mal à m'en faire une idée précise. En fait, j'attends avec impatience le rapport de l'expert, le professeur Blondeau. Ah, au fait, pendant que j'y suis, est-ce que vous gardez des doubles des comptes rendus opératoires? Oui. Pourquoi? J'aimerais simplement jeter un coup d'œil dessus, et aussi sur les feux de service du personnel. Si ça vous dérange pas, bien sûr. Non. Je vais vous accompagner à la comptabilité. Monsieur le juge, nous avons choisi ce métier pour sauver des gens. Pas pour les tuer. Un jean pur. Tu crois qu'un juge dont c'est la première affaire dans la région peut prendre le risque de condamner un notable tel que Duterte? J'aurais jamais dû engager mon client là-dedans. J'aurais dû lui conseiller de prendre l'argent, un point c'est tout. Jacquet a raison. T'es trop impulsif pour ce genre d'affaires. Tu veux que j'arrête? C'est ce que je voulais, oui. Pour ta carrière. Mais maintenant c'est trop tard. Tu vas droit dans le mur. Et c'est pas faux de t'avoir prévenu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me virer, c'est ça? Je ne peux pas me permettre d'entraîner mon cabinet là-dedans. J'ai une clientèle, je ne veux pas la perdre. Je te laisse le bureau pour le moment. Mais maintenant, t'es à ton compte. Quand tu m'as engagé, c'était pour mes compétences ou pour me sauter? J'avoue que je me souviens plus. Examen clinique à l'entrée, RAS, prescription d'une héparinothérapie préventive. Pourquoi l'héparinothérapie préventive mentionnée sur l'original n'est pas mentionnée sur ce double? Votre jugement merde, monsieur le procureur. Il fait son travail. Je sais. Vous pourriez mettre des formes. Il y a la clinique hier, faut consulter les feuilles de service du personnel. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette affaire? Je l'ignore, je lui demanderai. Vous savez, jusqu'à présent, je crois avoir été assez patient, monsieur le procureur. Je vous dis en toute amitié, je ne supporterai pas plus longtemps qu'on jette le poing sur ma clinique. Alors je vous le demande, comme un service. Surveillez votre petit juge, qu'il n'aille pas trop loin. J'ai toute confiance en lui. Vous avez tort. Il n'a peut-être pas l'air, mais c'est un ambitieux. Une affaire comme celle-ci peut aider sa carrière. Et il le sait, croyez-moi. Monsieur le procureur. Monsieur le juge. Vous travaillez sur quoi? L'affaire Rainville. Vous en avez tout. J'attends le rapport de l'expert. Vous allez ignorer sur ses conclusions? Oui, bien sûr. Enfin, sauf si un élément nouveau se présente. Vous me tenez au courant, hein, du rapport d'expertise? Tout à fait, monsieur le procureur. Vous jouez au golf? Au mini-golf. Avec mon épouse. Il faudrait que je vous apprenne. Sophie. Benjamin, moi, on t'aime.
connaissez-vous ceci? Oui, c'est le compte rendu opératoire de Madame Rainville. Dites-moi, docteur Serre, l'héparinothérapie préventive, c'est l'anesthésie? Non, c'est l'anticoagulant qui lui a été administré. Dans ce cas, je dois vous avouer, j'ai un problème. Le double du compte rendu opératoire que j'ai trouvé à la clinique ne correspond pas. Sur ce double, l'héparinothérapie n'est pas mentionnée. C'est étrange, non? Sûrement une erreur. Oui, bien sûr. Dans ce cas, lequel est faux? Bon. Avant de vous poser ma question, docteur Serre, je tiens à vous prévenir que je peux vous poursuivre pour faux témoignage. Mon client n'a rien à cacher. Ah, mais je voulais juste le prévenir, maître. Dans ce cas, docteur Serre, avez-vous fait, oui ou non, cette injection d'héparine? Non. Je ne l'ai pas jugé utile. Dans ce cas, pourquoi avez-vous inscrit cette injection sur le compte-rendu? Quand j'ai su que M. Rainville allait saisir la justice, j'ai eu peur. J'ai voulu me couvrir. Je reconnais que c'était idiot. Mais vous l'auriez vu me menacer à la clinique? Je trouve un petit peu dur avec lui, sa femme est dans le coma. Et vous croyez que ça me fait plaisir? En médecine, il y a toujours de la casse. On n'y peut rien, malheureusement. De la casse? C'est le terme qu'on emploie, oui. Docteur Serre, si vous deviez opérer Mme Rainville aujourd'hui, pratiqueriez-vous l'injection d'héparine? Aujourd'hui, oui. Bon, je vous remercie, docteur Serre. Pour le moment, je n'ai plus de questions à vous poser. Au revoir, monsieur le juge. Caroline, pouvez-vous joindre le professeur Blondeau? J'ai de nouveaux éléments à lui soumettre. Merci. D'accord, merci. Ils ont trafiqué le compte-rendu d'hospitalisation. Le juge a réussi à leur faire avouer, il n'y a jamais eu d'épargne. On les a, on va les faire condamner. C'est une faute? Quoi? Le fait de ne pas avoir utilisé d'anticoagulant, est-ce que c'est une faute? Bien sûr, sinon pourquoi ils auraient essayé de le cacher? Rien, disons que je suis méfiant. Ils vont sûrement trouver une parade. Antoine, tu peux peut-être me rendre un service. Comment il s'appelle ton ami journaliste? Pierre. Pourquoi? Un article sur l'affaire, ça pourrait peut-être m'aider, non? Allô? Au vu des différents éléments du dossier, j'ai conclu que le docteur Serre n'avait aucune responsabilité dans cette... Là, vous m'étonnez. ...malheureuse affaire. Pourriez-vous m'expliquer en termes simples? Le fait qu'il n'ait pas tenu compte de l'héparinothérapie peut très bien s'expliquer. Il a fait un choix entre risquer une hémorragie ou une thrombose. Mais les antécédents de Madame Rainville, vous en faites quoi? Bon, ils étaient minimes. Là, je comprends pas. Imaginez que vous ayez à juger un homme qu'on accuse de meurtre, monsieur le juge. Un homme qui a dans son casier judiciaire un braquage, il y a 10 ans de ça. Vous n'avez aucun autre élément dans son dossier que son casier judiciaire. Vous choisissez quoi? De l'inculper ou de le relâcher? Je le relâche, bien sûr. Présomption d'innocence. Et si le lendemain, il commet un autre meurtre? Remettez-vous en cause votre choix? Non. J'aurais sans doute mauvaise conscience.
C'est sûrement cette contradiction qui a poussé le docteur Serre à trafiquer le compte-rendu d'hospitalisation. Sa décision au moment de l'opération est discutable. Mais d'un point de vue théorique, elle est parfaitement acceptable. Reste le mensonge. Un mensonge qui pèsera pas lourd en regard des états de service du docteur Serre. Excusez-moi. Allô, oui? Oui, d'accord, merci. Madame Rainville est décédée cette nuit. Je crois qu'il serait préférable d'attendre la semaine prochaine pour annoncer les suites que je compte donner à cette affaire. Papa? Qu'est-ce qu'il y a, bonhomme? Je pourrais aller avec Nadia. Je veux aller avec toi à l'enterrement. Tu vas voir un moment. Si j'avais été à l'hôpital, peut-être qu'elle se serait réveillée. Je suis plus un enfant, j'ai presque 8 ans. D'accord. Si c'est ce que tu veux. Merci, papa. Tu sais, Benjamin, c'est pas parce que maman est partie qu'elle est plus là. On la voit plus, mais elle sera toujours là. Si, moi, je la vois. Le soir, quand je ferme les yeux. Hier, je l'ai vue et je lui ai demandé. Je lui ai dit de pas s'inquiéter. Que je serai gentil avec toi, que je rangerai ma chambre et que je travaillerai bien à l'école. Grandis pas trop vite, quand même. Je vais m'habiller. Papa? Mmh. C'est qui va me faire réviser mon piano? Moi? Si tu veux bien. Tu connais même pas le solfège. Tu m'apprendras. Tu veux que je m'occupe de Benjamin, c'est toi? Non, c'est gentil. Comment il va, lui? Tu sais comment il est. Il intériorise tout. Il est comme Sophie. Il a voulu aller en classe ce matin. Ça fait 3 jours que sa mère est morte et il veut retourner à l'école. T'as vu le journal? Oui. Le professeur Duterte n'est pas à la clinique aujourd'hui. Si c'est urgent, il vous propose de le rejoindre aux practices de golf. Ah, dites-lui que c'est d'accord. Qui a écrit cette merde? Qui a permis de publier ça? C'est vous? Oui. Non, mais vous respectez rien, ma parole. Je viens d'enterrer ma femme et vous envoyez les journalistes photographier mon fils sur la tombe de sa mère. Votre nom dans les journaux, et c'est ça qui vous intéresse, hein? Non, je l'ai pas fait pour ça, non. Alors pourquoi? Parce que cette merde, comme vous dites, c'est peut-être notre dernière chance d'aller au pénal. Je ne veux pas procéder comme ça. Alors on perdra parce qu'en face, ils ont beaucoup moins de scrupules. Je ne veux pas procéder comme ça, pas de cette façon-là. Monsieur Rainville, on ne vous l'a pas dit, mais l'expertise demandée par le juge, elle a donné raison à la clinique. Mais c'est peut-être qu'il n'y a pas eu d'erreur, alors. Dans ce cas, votre femme est morte pour rien, monsieur Rainville.
Si on accepte leur version des faits, ils continueront à commettre d'autres négligences sur d'autres patients, et ça en toute impunité. C'est à vous de voir. Journal ? Oui. En fait, je suis pas du tout sensible à ce genre de pression. Tant mieux. Je savais que M. Rainville était un procédurier, j'ignorais qu'il était un voyou. Il a sans doute été mal conseillé. Tant pis pour lui. J'ai déposé ce matin une plainte pour diffamation. C'est votre droit. Dites-moi, professeur, j'ai regardé vos bilans annuels, ils sont plutôt positifs depuis 2 ans. Oui, j'ai réussi à redresser la situation. Nous perdions beaucoup trop d'argent. Il a fallu que je prenne des mesures appropriées. Lesquelles ? Réduction des frais annexes, compression du personnel. Je suis aussi un chef d'entreprise. Je dirige une clinique de 100 lits. Les conditions de travail n'en ont pas trop souffert ? Au contraire. Je crois que l'équipe est beaucoup plus soudée aujourd'hui. Dites-moi, professeur, vous avez aussi économisé sur le matériel ? Non, je dis ça parce que si votre service de réanimation avait été plus performant, vous n'auriez pas eu à transporter Mme Rainville à l'hôpital. Ça n'aurait rien changé. Nous sommes une clinique privée. Nous ne pouvons pas nous occuper des cas difficiles. C'est insupportable, cette manie des téléphones portables. Quand je joue, je n'aime pas être dérangé. Excusez-moi. Allô ? C'est peut-être notre dernière chance de savoir la vérité. Je voudrais vous parler. Ma femme est morte. Je suis désolée. Je voulais savoir, pour la crise de Sophie, elle n'a pas eu lieu à 11h, c'est ça? Je sais que vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais c'est important pour moi de savoir. Vous savez, quand mon mari est parti, je me suis retrouvée seule avec mon fils. Il a fallu que je trouve du travail. Je ne peux pas me permettre de me retrouver au chômage. Je comprends, mais moi j'ai des questions qui m'empêchent de dormir la nuit et je trouve personne pour me donner les réponses. Pourquoi moi? Je suis certaine que vous n'avez rien à vous reprocher, Agnès. J'ai fait mon travail. Oui, et vous êtes sans aucun doute une excellente infirmière. Vous vous êtes occupée de Mme Rainville et je suis sûre que vous êtes la dernière personne en qui elle ait eu confiance. Je pense même que le docteur Serre n'a pas fait le quart de ce que vous avez fait pour elle. Votre femme a commencé sa crise vers 8h30. Elle n'arrivait plus à respirer. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps pour la transporter à l'hôpital? Vite, va chercher le docteur. Il n'y avait pas de médecin soignant ce matin-là. Et avec moi et l'infirmière en chef dans le service, on savait plus quoi faire. Il n'y avait pas d'interne? Le week-end, nous fonctionnons en service minimum. En cas d'urgence, il y en a toujours un de garde. Ce jour-là, qui était de garde? Le docteur Serre. Mais on a réussi à le joindre qu'à 11h. Et pendant 2h30, ma femme a souffert le martyre. Vous seriez prête à répéter tout ça au juge? Faut pas trop m'en demander, je suis qu'une infirmière. Pour Madame Rainville, vous avez été bien plus que ça. Et le docteur Serre, vous a-t-il donné une explication à son absence ce matin-là? Non. Mais on m'a dit qu'il était au golf. Avec le professeur Dutertre. Il avait dû débrancher son portable, bien sûr. Mademoiselle Alonso, les accusations que vous portez sont graves. Vous les maintenez? Oui. Très bien. Caroline, vous pouvez convoquer le docteur Serre et le professeur Dutertre. J'aimerais leur parler aujourd'hui même.
peux bien foutre. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Voilà, messieurs. Si je vous ai demandé de venir ici, c'est pour vous informer des suites que je vais donner à cette affaire. Le rapport d'expertise ne me permet pas de retenir la faute de diagnostic. En revanche, le témoignage de Mademoiselle Alonso me laisse à penser qu'il y a eu faute de surveillance de votre part. Soyons sérieux. N'allez quand même pas croire ce que dit une simple infirmière. Pourquoi cela? On ne les écoute pas dans votre clinique? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Il arrive parfois qu'il y ait quelques tensions entre les membres du personnel. Elle a pu mentir. Dans ce cas, je l'inculperai pour faux témoignage, monsieur Duterte. Professeur, appelez-moi professeur, s'il vous plaît. Je vous appelle bien monsieur le juge, moi. Excusez-moi. J'ai donc décidé, professeur, de transmettre ce dossier au tribunal compétent. Sous quelle accusation? Faux en écriture et surtout homicide involontaire. J'ai 30 ans de médecine derrière moi. Je ne permettrai pas qu'un petit juge de province me traite de meurtrier. Nous reverrons, monsieur. Monsieur le juge. Je dois avouer que tu t'en es plutôt pas mal sorti, mais maintenant ça reste votre affaire. C'est pas toi qui disais qu'aucun juge n'oserait poursuivre Duterte? Eh bien, tu vois, tu t'es trompé. Je ne me trompe jamais deux fois. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va gagner. Le tribunal. L'audience est ouverte. Docteur Serre, depuis quand travaillez-vous à la clinique Servane? Ça fera 10 ans en septembre. Savez-vous combien d'opérations vous avez pratiquées en 10 ans? Je l'ignore. Sûrement plus de 1000. Des patients se sont-ils plaints après leur opération? Jamais. Jamais. Dans le cas de Madame Rainville, vous aviez sûrement une bonne raison de ne pas lui prescrire d'anticoagulants. J'ai estimé qu'elle n'en avait pas besoin. Mis à part cette grossesse difficile, elle n'avait aucun facteur de risque particulier. Je voulais qu'elle se rétablisse plus rapidement et éviter une hémorragie. S'est-elle plainte de douleur après son opération? Non. Elle ressentait une certaine gêne au niveau de la poitrine. Ça ne vous a pas inquiété? Ce type de symptôme est fréquent après une anesthésie. J'ai tout de même demandé à l'infirmière-chef de surveiller Madame Rainville plus particulièrement. Vous ne lui avez rien prescrit? Si. Des calmants. Docteur Serre, quand Madame Rainville a-t-elle fait son embolie pulmonaire? Docteur Serre, quand Madame Rainville a-t-elle fait son embolie pulmonaire? Le lendemain matin, à 11h. 11h, vous êtes sûr de l'heure? Oui, c'est noté sur la feuille de soins. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? J'ai aussitôt pratiqué un RCR. C'est une réanimation cardio-respiratoire. À ce moment-là, son cœur ne battait plus. Au bout de quelques instants, nous avons réussi à rétablir les fonctions cardio-circulatoires. Mais je savais qu'à tout moment, le cœur pouvait s'arrêter de nouveau. J'ai alors décidé de la faire transférer d'urgence au service de réanimation de l'hôpital. Si je comprends bien, à ce moment-là, vous l'avez sauvée? Non. Je lui ai juste accordé un sursis. Malheureusement, j'aurais aimé faire davantage. Docteur Serre, avez-vous des regrets? Un médecin a toujours des regrets quand il ne parvient pas à sauver l'une de ses patientes. Personne ne s'habitue à la fatalité. Ça va?
Personne ne s'habitue à la fatalité, mais je dois vraiment supporter ça. Le plus dur est passé. Maintenant, la balle est dans notre camp. On va tout axer sur l'absence du docteur Serre ce matin-là. On introduit le doute avec le témoignage du docteur Gatien et on les achève avec celui de l'infirmière. Je suis sûre que nous gagnerons. On n'allait pas rater ça quand même. Docteur Gatien, pouvez-vous en simplifiant nous expliquer ce qu'est une embolie pulmonaire? C'est l'oblitération d'un vaisseau par un caillot. Ça provoque aussitôt une thrombose. Y a-t-il des symptômes qui permettent de détecter une embolie? Oui, tachycardie, chute de tension, respiration difficile. Quand Madame Rainville est arrivée dans votre service, elle était au stade ultime de cette embolie, n'est-ce pas? Oui. Avant de tomber dans le coma, est-elle nécessairement passée par ces différents stades? Je veux dire, se peut-il qu'elle n'ait pas eu le temps de souffrir, que l'embolie ait été tellement subite qu'elle ne l'ait pas sentie arriver? Non, pas dans le cas présent. L'embolie a été progressive. Les douleurs dont elle s'est plainte en témoignent. Elles ont dû aller en s'accroissant. Dans ce cas, alors qu'elle souffrait de plus en plus, pourquoi n'a-t-elle pas prévenu une infirmière? Je ne peux pas vous répondre. Du stade des premières douleurs, je parle de vraies douleurs, au stade du coma, il s'est écoulé combien de temps au minimum? Je dirais une heure au minimum. Si les médecins l'ont découverte à 11 heures, Madame Rainville a donc commencé à souffrir vers 10 heures au minimum. Oui. Et de 10 heures à 11 heures, elle n'a appelé personne. Pourquoi? Avait-elle peur de déranger les infirmières? Une dernière question, docteur. Si on avait repéré l'embolie une heure plus tôt, Madame Rainville serait-elle toujours en vie? Je le pense, oui. Je vous remercie. Mademoiselle Alonso, vous êtes infirmière à la clinique Servan. Oui. Et c'est vous qui avez découvert Madame Sophie Rainville le matin de son embolie? Oui. Quelle heure était-il? Il était 11 heures. L'infirmière chef l'a noté sur la feuille de soins. Pourtant, pendant l'instruction, vous avez affirmé au juge que Madame Sophie Rainville avait commencé sa crise à 8h30. Je sais, mais je me suis trompée. J'ai dû confondre avec une autre patiente. Vous mentez. Elle ment, Madame la Présidente. Monsieur Rainville, asseyez-vous, je vous fais sortir de la salle. Mais dites-leur la vérité, bordel! Monsieur Rainville, je ne tolérerai pas ce comportement dans mon tribunal. Asseyez-vous. Sur vous. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça, mais vous devez avoir de bonnes raisons. Je ne suis qu'une infirmière, monsieur Rainville. On m'a toujours appris à obéir à ma hiérarchie. Je suis désolée. C'est ça, oui. C'est ça. Pas autant que moi. Elle a menti. Mais bien sûr qu'elle a menti. Et alors? C'est pas une raison de se comporter comme ça. On est dans une procédure judiciaire. Vos états d'âme, vous les gardez pour chez vous. Avec vos conneries, on va voir le président du tribunal contre nous maintenant. C'est facile pour vous. Est-ce que vous savez au moins ce que c'est que d'avoir des états d'âme? Hein? Depuis le début, vous vous servez de moi pour lancer votre carrière. Ce soir, maître. J'ai appris pour cet après-midi. Un sale coup. Oui.
On a sous-estimé Dutertre. C'est ma faute, j'aurais dû préparer mon témoin avant. Que vous comptez faire maintenant? Je sais pas. J'ai épuisé toutes mes stratégies. Je vais attendre le verdict. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas fait témoigner. Qui ça? Dutertre. Dutertre? Avec sa réputation dans la région, ce serait suicidaire. Ils boiront ses paroles. Dans ce cas, pourquoi la défense l'a pas fait témoigner? Parce qu'un type de son importance n'a pas sa place dans un tribunal. Il est au-dessus des lois. Mais faites-le descendre de son piédestal et vous gagnerez. Je sais que vous en êtes capable. Bon, il faut que j'y aille, ma femme m'attend. Elle s'inquiète quand j'ai du retard. Bonsoir, maître. Monsieur le juge. Pourquoi faites-vous ça? Vous jouez au golf? Non. Moi non plus. Je ne crois pas être un petit juge de province pour autant. Bonsoir. C'est une fatalité. Et comme toute fatalité, il n'y a pas de responsable. Témoigner Dutertre, c'est notre dernière chance. La séance reprend. J'appelle à la barre le professeur Dutertre. Madame la Présidente, permettez-moi d'interroger le témoin. Je vous en prie. Monsieur Dutertre, vous êtes directeur de la clinique Servane. Si le docteur Serre avait commis une erreur, aurait-il pu vous la cacher? Non. Rien ne se passe dans cette clinique sans que je sois informé. La feuille de soins indique que Madame Raville a été découverte à 11h. Si quelqu'un l'avait trafiquée, vous l'auriez forcément su, n'est-ce pas? Oui. Mais elle ne l'a pas été. Bien sûr, c'est ce que vous disiez aussi pour le compte-rendu d'hospitalisation. Vous venez de prêter serment, professeur. La dernière fois que vous l'avez fait, ça remonte à quand? Il y a 32 ans, quand je suis devenu médecin. Le serment d'Hippocrate. Pour vous, lequel des deux a le plus de valeur? Avant tout, je suis médecin. Donc, en tant que médecin, pensez-vous que cette cour soit compétente pour juger cette affaire?
voulez-vous en venir, mademoiselle? Je ne sais pas, mais pour un homme qui a tant donné à la médecine, ce doit être difficile de se sentir jugé par des profanes. Oh, je mène depuis 30 ans une guerre contre la maladie. Je n'ai plus peur de rien, mademoiselle. Je crois que vous mentez, là, professeur. Je ne mens jamais. Si, vous mentez. Je ne vous permets pas de dire cela. J'ai droit à certains égards. Madame Rainville aussi avait droit à des égards. Quand elle est tombée dans le coma, combien de fois êtes-vous allé la voir? Combien de fois avez-vous téléphoné pour prendre de ses nouvelles? Pas une seule. Au lieu de ça, vous avez envoyé à son mari les frais d'hospitalisation. N'importe qui à votre place. Non, vous n'êtes pas à ma place. Et heureusement pour vous. Croyez-moi. Heureusement. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Savez-vous ce que c'est que de côtoyer la mort tous les jours? Non. Alors ne venez pas nous faire des leçons de morale, s'il vous plaît. Nous n'avons pas le droit de vous juger. Non. Dans ma clinique, je suis seul maître à bord, moi et mes médecins. Malheureusement ici, professeur, vous êtes un citoyen comme tout le monde. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Et vous le savez. Car sinon, vous n'auriez pas trafiqué cette feuille de soins, car Madame Rainville n'a pas été découverte à 11 heures. Vous voulez me pousser à bout, mademoiselle? Je veux que vous assumiez vos actes, que vous ayez au moins ce courage. Oh, si je suis arrivé là où je suis, c'est que j'ai toujours assumé mes actes. Sauf aujourd'hui, vous vous défilez et ça ne vous ressemble pas. Madame Rainville a commencé sa crise à 8h30 et le docteur Serre n'est arrivé qu'à 11h seulement. Or, il était de garde ce jour-là, il aurait dû être là. Et c'est pour ça que vous avez peur aujourd'hui, professeur. Parce que s'il y avait eu un médecin ce matin-là, Madame Rainville serait toujours en vie. J'aurais simplement aimé que vous vous montriez plus courageux. Courageux? Avez-vous déjà assisté à l'agonie d'un malade? Quand il vous serre le bras et vous implore de le sauver, vous savez très bien que vous ne pouvez plus rien faire pour lui. Avez-vous déjà été annoncé à une mère le décès de son enfant? Savez-vous ce que c'est que d'apprendre à quelqu'un qu'il est atteint d'un cancer? Vous ne comprenez rien à mon métier, vous ne comprendrez jamais rien parce que vous n'avez vécu aucune de ces expériences. Aucune. Moi, la souffrance, je la connais. Par cœur. Elle fait partie de ma vie. Et ne croyez surtout pas qu'on s'y habitue. Alors, oui. J'ai fait changer l'horaire de cette feuille de soins. Certainement pas parce que j'avais peur de ce tribunal. Je l'ai fait. Par respect pour mes médecins, pour tous ceux dont le métier consiste à soulager la souffrance des autres. Je l'ai fait pour que le jour où vous aurez besoin de moi parce que votre fils a de la fièvre ou que votre mari est pris de vomissements, je puisse vous accueillir dans ma clinique. Voilà pourquoi je l'ai fait. Parce que mon métier consiste à rendre la vie des autres plus supportable. Vous voulez me juger maintenant? Alors jugez-moi. En ce qui me concerne, je n'ai rien à me reprocher. Je pense que le tribunal a noté que le professeur Dutertre, au nom d'une raison qui nous échappe, n'estime pas cette cour compétente pour juger cette affaire. Il reconnaît également avoir fait changer l'heure à laquelle Madame Sophie Rainville a eu sa crise pour couvrir un défaut de surveillance ayant entraîné le décès de sa patiente. Je pense que le tribunal a noté qu'à aucun moment le professeur Dutertre n'a fait preuve de compassion envers sa victime. Les faux témoignages du docteur Serre et de Mademoiselle Alonso prouvent qu'il y a bien eu faute et volonté délibérée de la cacher. J'en ai terminé avec le témoin. Le tribunal. Le tribunal déclare coupable le docteur Serre d'homicide involontaire par négligence sur la personne de Sophie Rainville. En répression, le tribunal le condamne à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal déclare le professeur Dutertre coupable d'homicide involontaire par négligence ainsi que d'obstruction à la justice. En répression, le tribunal le condamne à 18 mois d'emprisonnement avec sursis.
La séance est levée. Merci, maître. De rien, je vous l'avais dit, je déteste perdre. Maintenant, on va saisir le tribunal civil pour demander des indemnités. Je tiens à être payée. Félicitations. Merci. Maintenant, je sais que je peux gagner seule.